Donc, mais je suis triste que là-dessus aussi, j'espère que vous allez évoluer. Non, mais je connais vraiment, un petit peu le développement des médicaments. Vraiment, non, mais vous savez, j'espère vraiment que vous allez évoluer là-dessus. Est sorti par là, ça n'empêche pas qu'il a triché sur ses essais cliniques. Le débat pourquoi sur vous voulez défendre ça. Le débat alors que vous polluez sur les. C'est un débat bon qui dépassera. Qui est de critiquer les mesures restrictives qui ont été prises. Et là, vous avez de quoi faire. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller mettre vos nez dans le développement clinique des traitements. Merci de me donner raison maintenant, parce que je ne suis pas sûr qu'il y a un an, vous disiez la même chose. Bon. Et d'ailleurs, complotisme sur le pass sanitaire, c'était vous. Je ne voulais pas vous citer, mais c'était vous qui me disiez il y a un an sur un plateau de CNews que j'étais complotiste en parlant de passage. Ben oui, puisque voilà. Vous dites encore des choses complotistes sur le fait que le conseil. Vous dites je Emmanuel vous rappelle Macron que c'est vous qui disiez que le pass sanitaire Pfizer. Était complotiste. Emmanuel Macron, le VRP de Pfizer, comment pouvez-vous dire ça réellement? Vous pensez vraiment que Pfizer, en France, a suffisamment d'influence pour influencer le président de la République totalement. Et le président des États-Unis? Totalement. Ah ben d'accord. Ah, je pense prouvez-le. Que ces boîtes-là. Bah, prouvez-le alors. Ah, bah, malheureusement, je n'ai pas les outils, mais j'aimerais bien que les journalistes. Malheureusement, je n'ai pas les preuves, donc je dis n'importe quoi. Mais j'aimerais bien que les journalistes d'investigation, au lieu d'aller fouiller sur M. Raoult comme ils le font depuis un an et demi, mettent un peu de moyens. Vous préférez défendre quelqu'un qui a triché sur ses essais cliniques plutôt que, et vous préférez dire qu'Emmanuel Macron est le VRP et Jean-François Fressy de Pfizer. Bah, vous avez raison. Je pense que ces gens-là sont aujourd'hui. Ça veut dire que vous discréditez complètement. Je pense que ces gens-là sont des VRP et je regrette qu'il n'y ait pas des médias d'investigation qui aillent faire un peu de travail sérieux. Parce que nous savons que l'industrie pharmaceutique. Et aux États-Unis, il y en a beaucoup. Donc, si c'était le cas, on le saurait. Pardonnez-moi. Nous savons que l'industrie pharmaceutique est la plus corruptrice du monde. Il y a des rapports de l'ONU qui le disent. Il y a des rapports de la Chambre des communes britanniques qui le disent. Il y a des rapports du Sénat français. Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, si on vaccine les Français, c'est parce que Pfizer a corrompu Emmanuel Macron. Non, mais c'est ce que vous dites. Je pense que si nous avons aujourd'hui. Quand vous dites ça, ça veut dire que plus personne ne peut vous prendre au sérieux. Bah, si nous avons aujourd'hui. Moi, je suis peut-être plus sérieux que vous, Martin Blachier, qui avait évolué de position 36 fois. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Florian. Ne dites pas ça. Ne dites pas ça, Florian. Je vais pas faire la liste. Mais non, parce que je le suis. Encore le 16 novembre dernier, vous défendiez un pass vaccinal. Bon. Donc, si vous voulez. Donc non, c'est ce que c'est devenu d'ailleurs. J'ai pas oui, enfin vous dites, c'est plus intéressant si que le pass sanitaire, vous le dites vous-même bon, d'ailleurs. Non mais moi je trouve ça, j'ai pas envie d'un débat avec oui, vous, mais vous avez changé 35 fois de position. Ceci dit, vos dernières positions depuis 3 si semaines sont pas mal, si sont pas mal. Certains me poussent à vous inviter en manifestation, je vous lance l'invitation. Ah bah non, merci, c'est bon. Vous êtes le bienvenu.